Bonjour tout le monde. On continue, je lui donnais déjà des petits ordres à l'avant, je crois. On va soigner Tommy, j'ai plein de petites choses. Bon, pas grand chose d'intelligent, de spécifique. Donc on a des ordres ici pour miner l'ensemble. J'ai demandé qu'on ramène un petit peu tous les cailloux au centre, puisque ça ne sert à rien de les avoir autour de tout ceci. Bon, alors, notre évasion, je me demandais pourquoi la porte. Eh bien, il nous dit, s'ils ont trouvé un moyen de neutraliser le verrou de la porte, ils sont en train de sortir, voilà. Bon, on a, en tout cas, j'ai géré ça comme un gros pied. Ça, c'est sûr et certain. Il aurait suffi d'envoyer d'abord Libellule pour... se tenir et enfin donner des petits coups avec Tony, effectivement, mais certainement pas laisser ces gens nous tirer dessus. Au fusil à pompe automatique, excellent, hein. C'était pas une excellente idée tout ça. On va regarder, on va peut-être un petit peu déjà étendre la zone de la base. C'est fait déjà, hein, parfait, donc c'est propre. Alors, maintenant que j'ai mis la porte ici, ici c'est l'hiver, ok, mais sinon par après, il faudra pas que j'oublie de refermer cette porte. Refermer cette porte. Et 26, là j'ai 37 et là j'ai 26 qui est correct. Puis je redescends à 18. On verra bien à ce moment-là. De toute façon, bon, Bud est réparé, c'est une bonne chose, cher Bud. Bah, tu es réparé, si on peut dire, hein. Tu as méchamment mal. Ah, hein. Bah, j'ai vraiment joué un peu le con. Donc, il y en a un des dromadaires juvéniles qui crève de faim, et on n'est pas encore rentré, il reste encore 2 jours. Donc dans les objets, on voit qu'on n'a plus rien à bouffer et notre pauvre Jean a encore un peu à manger, 61%, je suis un petit peu embêté. Donc on va sans doute envoyer quelqu'un, pour rejoindre la caravane avec un petit peu de bouffe. Nous allons nous prendre, je pense, Tommy, toi par contre, t'es comment? T'es bien, toi, hein, toi, t'as bien récupéré, mais t'as toujours mal, hein. Bon, qui est-ce qui s'ennuie? Ben, généralement, c'est Rimmen qui s'ennuie, bien qu'elle nous fait des plats simples. Eh ben, on va te laisser faire quelques plats simples, tu vas les prendre avec toi, d'ailleurs. Et on va prendre des plats simples et un petit peu de ça. Monde. On va prendre Rimmen. Rimmen. Elle peut très bien aller toute seule. Et elle va prendre avec elle article. Tu te prends deux plats raffinés. Pas ceux-là. On va prendre 4 plats raffinés. Il y a 2 jours, hein. 2 jours. Donc mettons à peu près 3 jours, ça ferait 6. Ça va prendre 8 plats raffinés. Ils sont à peu près corrects. Et on va prendre aussi un petit peu de... où est la viande ici? Pemmican.
Il faut à peu près un pemmican. Pour le jour. Il y a combien d'animaux? Je sais plus. On va en prendre 120. Voilà. Nourriture. 3,8 pourrira dans 1,8 jours. Donc, on va prendre deux comme ça. Et 6 comme ça. Choisir un trajet. Euro 9, on va dire comme ça, et on va mettre accepter, confirmer. Je voudrais également que Rimen à ce moment-là, Rimen, tu vas devenir. On va mettre raffiné, je crois que c'est. Et on va regarder raffiné ce que j'avais mis. Alors raffiné, tu peux prendre des plats gastronomiques, des plats raffinés. Disons que tu peux prendre des rations de survie, tu peux prendre du chocolat, tu peux prendre du pemmican. Et je crois que c'est tout ce que nous avons. Voilà. C'est déjà bien. Il y a un aliment cru, qu'est-ce que j'avais d'autre? Bada. Est-ce que j'avais encore du lait? On va prendre ça, comme ça. Allez, on roule. Forme une caravane et où vas-tu avec ça? Où vas-tu? Tu es parti? Ah, t'es déjà tout sur toi? T'as pas pris. Il manque quelque chose. Tu n'as pas pris des plats simples. Ok, et puis tu vas. Et là, il n'y en a plus qu'un, donc c'est foutu. Allez, on y va. Alors, Bud, tu as un petit pépin, mon ami Bud. Quel est ton petit pépin, mon petit Bud? Pas bobo, hein? Ouais. Est-ce que tu aimes bien miner? Tu aimes bien miner, hein? Oui, ben, il va bientôt être l'heure d'aller dormir, hein, Bud? Et quand tu iras dormir, ben tu vas. Ok, on est dans le monde. Alors, toi, mon ami, c'est Danny. Tommy, tu joues aux échecs, Tommy, hein? Mais toi, tu vas aller te reprendre. Où est-ce qu'elle est? Là. Donc, Tommy, après, tu te prends ta masse.
Ensuite, regardons Maker. On va essayer de ne pas les rater, hein, ces petits cuts-là. Absolument rien avec toi que je peux faire, mon pauvre petit. Alors on va la faire, je la fais en ardoise cette fois-ci, hein. Essayer qu'elle casse un peu moins vite. Mais on va faire aussi quelques fauteuils en plus. Alors j'ai ajouté dans la zone ici, j'ai ajouté Sky. Parce que Sky est à 16,44 avec un double plus. Tandis que Libellule, elle a 10, bientôt 18, hein, mais elle n'a qu'un seul plus. Et donc je vais les mettre tous les deux en construction. Bien qu'il vaut mieux en avoir qu'un seul expert. Si je peux dire, un seul expert est mieux parce que bon, ben vous êtes un peu plus sûr de fabriquer des légendaires. Bien comme on a pu le voir, c'est extrêmement difficile d'avoir des légendaires. Voilà, le fait ici que je ne mette pas de lumière me permettent d'augmenter un peu plus leur expérience. Comme je disais, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Eux non plus, d'ailleurs, ne sont pas extrêmement pressés. Alors, on a de l'inanition. Oui, mon ami. Et je suppose que c'est pour toi également que tu as ceci. Oui. J'ai mal prévu mon coup, mon ami. J'ai mal prévu mon coup. Bon, toi, tu as encore un problème. Déjà, ton plaisir. On va positionner ici tout loisir. Et donc, voilà, je te donne un petit peu de loisir. Mais j'irai peut-être te donner un autre type de loisir que ça. On va regarder un petit peu. Comme ça, tu auras plus de beauté. Le confort, ça va. Alors, ton plaisir, est-ce que je peux te travailler dans quoi? Méditation, activité, jeu d'adresse, jeu de réflexion et musique qu'on peut faire. Donc, on va t'envoyer autre part, comme par exemple, joue au poker. C'est un jeu d'adresse ou de réflexion, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Jeu d'adresse. Il ne me le dit pas. Hein, on va le savoir quand il ira là-bas. Eh bien, c'est parfait. Sky, tu vas me porter ça. Alors, celui-ci, ben on va le réinstaller à côté. Et celui-ci, on va le mettre dehors. Ouais,
Oui, je sais, je sais, je sais, mes amis, je sais. Je sais. Je sais, je sais. Je fais mon possible pour que vous ne souffriez pas de trop. Mais c'est pas évident. On a une petite naissance en plus. Allez, les petits gars. Allez, allez, allez. On peut fusionner. Ouais, pas de chance, c'est du mauvais côté. C'est pas grave. Entrer dans le nexus parallèle. Ouf. Plat simple, plat raffiné, pemmican. Allez. Boum. Ils ont mangé. Montre-toi, mon ami. Ah, ça fait du bien, ça, hein? Hein, que ça te fait du bien, mon ami? Alors, où est-ce qu'on en est dans ces petites choses-là? Ça, normal, hein, démolir. Alors, un chef-d'œuvre, bon, on se doute que c'est celui-ci. Alors, réinstaller. Où est-ce qu'on va te positionner, mon petit ami? Un chef-d'œuvre. Ah, il serait pas mal là-bas, hein? T'as déjà un chef-d'œuvre, toi, c'est suffisant. Ça, c'est que bon, hein. Toutes ces chaises-là ne sont pas bonnes. Oh, surtout là, normal. D'ailleurs, toi, on va te démolir. Mais toi aussi, on va te démolir. Qu'est-ce qu'il te reste à faire après ça? Un gilet pare-balles. Il m'en faut normalement 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 moins 3, 13. Il m'en faut encore un. Non, j'en ai 2, j'en ai 14. Donc pour l'instant, on va fermer ceci. Puisqu'il y a le chauve et Riemann qui sont partis. Hein. Et Maker repart faire son petit travail. Ok, c'est excellent. Enfin, nous avons terminé l'armure de cataphracte.
Alors, on peut installer le facteur de guérison. Je pense qu'on en a un quelque part, un truc comme ça. À combien es-tu, mon ami Best? Tu es à 20,99. Donc, c'est pas intéressant pour toi de faire ça maintenant. Libellule. Qui est-ce qui serait l'autre bon en recherche? 238. Maker, Libellule. Donc, Libellule. Bien que l'idéal, ça serait que ce soit Jean qui me fasse ça. Jean, tu as combien de... Testat Bio. Tu as 20 aussi. On va attendre que ce soit toi qui vienne. De toute façon, c'est pas grave. Donc, on revient dans notre recherche. Tiens, tiens, marrant ça. Amusant ça, tiens. Ah ben on a... Ah non, j'ai rien dit, moi. On va faire l'influence... Ben, on a tout à faire, hein, de toute façon. Donc on va commencer comme ça, voilà. Pas de métal dans ton secours ici, rien à peu près, nada. Ok, au niveau de la bouffe, je pense qu'on augmente petit à petit, 237. On va voir si ça continue à monter. T'es presque bon. Bon, nous voici au mois d'avril, mai. On va placer les bras bioniques et tout ça dès qu'on peut. Alors, nous avons donc Maker et Palo. Comment se passe une armure de cataphract? Donc déjà, ça c'est du prestigieux. L'armure de cataphract et les casques de cataphract. Déjà, commençons par l'armure. Qu'est-ce qu'elle me demande? Ouf! 50 uranium, 150 plastacier. Alors, le problème des armures de cataphract, c'est qu'elles font... moins 0,8 de déplacement. Bon, c'est pas extrêmement grave, mais ça vous donne au moins 120%, ce qui veut dire 28% en plus que l'armure de reconnaissance. Le problème de ceci, c'est qu'il vous faut deux niveaux en plus. Donc, comme vous voyez, il faut un artisanat 8, alors qu'une armure de reconnaissance, c'est un artisanat 6. Et il faut deux fois moins de plastacier, bien entendu, et beaucoup moins d'uranium, 5 fois moins d'uranium. Donc ça veut dire qu'on va, si par exemple je fais une armure de reconnaissance deux niveaux plus haute que normal, ça veut dire... excellente. On va regarder un petit peu une armure de reconnaissance excellente. Alors, je veux une armure de reconnaissance excellente.
Donc je suppose que, Tommy, tu as quoi? Tu as une armure bonne. Je dis, voilà, tu as une armure excellente. Toi, tu as 120, vous voyez? 120 et 52. 120 et 52. Et ici, j'ai pour une armure de cataphracte normale, 120 et 50. Donc c'est la même chose, deux niveaux en moins. On doit se dire que je vais faire à peu près moitié. J'ai des risques de faire des masters, mais comment vais-je dire? Comme il y a deux niveaux en moins, j'ai plus de chances de réussir des excellents, des masters ou des légendaires avec une armure de reconnaissance qu'avec une armure de cataphracte. C'est ça, voilà le truc. Bien que normalement j'ai. Non, je ne suis pas certain de ce que je dis là. J'en suis pas certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec une armure de reconnaissance, il me faut deux fois moins de composants avancés, presque deux fois 750 de travail. Attends, on va faire comme ça. Donc, ici, j'ai besoin de 1250, 6 et 150, et 50 uranium. Donc, on sait qu'on a 5 fois plus d'uranium. Donc, je pourrais faire 5 armures pour le même montant d'uranium. 5 armures, donc beaucoup plus de chances d'avoir un master, ou au moins un excellent. Et en même temps, si je rate mon coup, à la limite, je peux les mettre pour mes petites quêtes, pour mes tireurs. 150 places d'acier, c'est deux fois moins. Et 6 composants avancés, c'est deux fois moins. Ah, c'est une bonne question, hein. Par contre, pour les casques, il me dit qu'il me faut quoi? Le casque, il me faut aussi un 8. Et les casques, les excellents ne suffisent pas, je crois. Un casque excellent me donne... Il faudrait que j'arrive à 145, normalement. Et je suis qu'à 137. Bon, on va tenter un casque de cataphracte. Lui, il me donne quoi, le casque de cataphracte? 120. Bon, d'un autre côté, il me fait 2 degrés contre le chaud. Et le casque de... On va prendre l'autre. Ah, on va en faire un, on verra bien. Donc, casque de cataphracte, 50 places d'acier. Allez, on va en faire un avec Maker. Et on va faire une armure de cataphracte quand même avec Maker. Plastacier, 50 uranium, casque de cataphracte, 50 plastacier. On va essayer d'avoir 3 cataphractes quand même. Lâche combat et... Casque de cataphracte, hache combat, ouais, 2. Armure de cataphracte, hache combat. Mais on va déjà en faire une, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, roule. Parce que ça va prendre du temps aussi, et pendant ce temps-là, je ne sais plus faire mes composants non plus. Enfin bon, ça devrait aller. Puisqu'il va s'arrêter quand il ne peut plus faire quelque chose, il fera l'autre. Alors, dès que Jean est rentré, on sera heureux de pouvoir refaire
quelques statues pour gagner un peu de sous. Donc on voit que ce qu'on a le plus besoin maintenant, ça va être, puisque j'ai en plus racheté encore un petit peu de plastacile. Du plastacile, ça va. Ce qui va me manquer, c'est ça. Ça va me manquer beaucoup. J'ai un problème de plafond. Je suis un petit peu étonné que j'ai un problème de plafond. C'est où ? Oui, j'ai pas 11 de chaque côté. Effectivement, là, j'ai fait un petit peu le fou. Alors, où est-ce que ça s'est passé ? Ok, on va regarder les plafonds. Et on va se mettre un mur. Un peu fou, moi. Je me laisse un petit peu aller, là, pour le moment. On va se mettre un mur. D'ailleurs, on pourrait se mettre du mur ici pour protéger, pourquoi pas. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et un mur. Ok. Comme ça, au moins, on protège. Ici, mon ami, bah, tu peux venir faire du mur jusque là. Et... comme ceci. Je me suis encore gouré, bien entendu, là. Hein. Ouf, j'ai réussi à ne pas le mettre à la bonne hauteur. Mais bon, on s'en fout un petit peu aussi. Toi. On va plutôt amener les murs. Les gars, voilà, comme ça on est sûr qu'on aura plus de pépins. Et ça protégera toujours un petit peu, bien que j'ai fait une grosse bêtise. Alors tu viens de faire un ouais, d'accord, c'était pas vraiment ça que je voulais. Que tu me réussisses, mon ami. Bon, pas lourd, on a fini son truc. Je suppose que Maker va y revenir. Fabrique un chapeau de cowboy. Métal compacté. Hop, hop, hop. On arrête ça. Métal compacté. Bien. Ok, bon, on verra. Ensuite, j'ai besoin de... regarder mes animaux. Et mes animaux sont tous au bon endroit, sauf que l'ânesse ici et elle, les deux là, toi, tu passes en herbivore et toi, tu passes en herbivore aussi. Celle-ci, dès qu'elle aura fini. Ensuite, est-ce que j'ai plusieurs mâles ? J'ai plusieurs mâles. Donc, un mâle, deux mâles. Toi, on va te bouffer. Et on a deux mâles qui arrivent encore à nouveau. Ok, donc ça, c'est fait. On reprend le planning de le chauve. Ok, et Rimen, c'est toujours bon. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne là ? Rimen, voudrais-tu ? Viens un peu prioriser
va faire un petit peu différemment. On va tenter le coup ici. Créer une zone de stockage. Alors, je demande à Chauve. On va tester ça. Fais-moi un petit peu ça, mon ami. Montre-moi un peu ce que ça va donner, ça. Voilà. Alors, tu veux manger du pemmican? Nourriture? Pas trop, non. Alors, Jean. Je vais te changer ta bouffe en pâte et je veux que tu ici maintenant si j'enlève la zone. Ça a mis du temps, hein. J'aurais été aussi vite de me laisser faire. Et là, transport de 46. Là, tu veux bien me le transporter. Voilà. Voilà. Tant mieux. Riemann, tu passes en pâte aussi, s'il te plaît. Alors, je crois que j'ai quelqu'un qui... que j'ai mal mis. Anarchiste, un petit pépin aussi, toi. T'as la beauté qui remonte. Ok, risque de démence, le chauve, ça va venir, mon ami. Alors. Voilà. Maintenant, tu fais ce que tu veux, mon petit chauve. Tu vas manger, effectivement, c'est une bonne idée. Et puis tu vas aller dormir, tu te feras du plaisir. Bon, ça va pas t'aider, hein, mais voilà. Et fais bisous bisous avec ton copain. Alors, j'avais dit qu'il me reste que 200 ici. Alors, les animaux. Les herbivores. Normalement, tu dois pouvoir aller là-bas. Donc là, il y a un pépin. Il y a quelque chose que je ne pige pas. J'ai 11 entre deux murs. Alors, je sais, bien sûr, c'est logique. Parce que là, le mur, il supporte rien, puisqu'il n'y a pas de mur. Tu vois? Pour qu'il puisse supporter ici, il me faut un mur ici, bien sûr. Donc, il faut plutôt que je crée un mur. Bon, on va en faire un, tout simplement. On va s'en mettre un à cette hauteur-ci, voilà. Et puis c'est terminé, c'est pas plus compliqué que ça. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de mur ici, donc il ne peut pas soutenir. Il faut au moins qu'il y ait un contact. Il faut d'abord creuser un plafond, puis un plafond, puis un plafond, et puis enfin un plafond. Et puis c'est tout. J'ai un petit peu oublié les bases du jeu.
Mais donc, ça ne change rien. Quand vous creusez, eh ben, si vous laissez un mur sur le côté, vous avez besoin que de 11 entre les deux. Voilà, puis c'est tout. Dans les quêtes, on avait des quêtes, nous autres. On avait des capsules de la terreur. Ah ouais, c'était quoi cette histoire? Outpost 1. Ouais, ça va me foutre de l'onde psychique partout dans le truc. Et je trouve que c'est bien cher payé pour 12 Over Royal quand on voit ce qu'on peut avoir normalement avec un seul... on peut avoir la même chose que ça avec rien du tout, quoi. Avec... Ouais, allez, au revoir, ça c'est bon, quoi. En plus, il y a tellement de trucs à avoir. Il y avait de l'anti-balle, de l'anti-mortier, c'était assez compliqué à aller buter. Et il y avait pas mal de mécanoïdes qui allaient nous tomber sur le nez, de toute façon. Avec les balises de largage, les vaisseaux... rempli. Et puis surtout, moi, ce qui m'embêtait, c'était l'onde psychique. Et donc, on se serait pris du 30 ou du 40 dans le nez, non-stop. Jusqu'au moment où on aurait détruit cette machine. Est-ce que j'ai des mâles qui sont arrivés? Voilà, j'ai un mâle en plus. Non, j'en ai plus qu'un. Ok, et là, ici c'est pas fait, et ici c'est le transport, ça y est, non pas encore, et la faune, il n'y a rien en faune, ok, on continue. Bon, nouveau un petit 400. Bon, Jean, puisque t'es revenu, tu vas me faire quelques trucs. Machin bidule. Artiste 1855. Tu vas m'en refaire quelques-unes. D'abord. Des blocs de pierre, tu vas me faire ça en ardoise calcaire. N'importe, on s'en fout pour le moment. Et après, quand tu seras passé à 20, on te fera du marbre. Quatre, voilà, c'est bien comme ça. Je sais pas ce que tu faisais pour le moment, en plus. Tu méditais sans doute, oui. Ouais. Tu médites. Médite, mon petit, médite. Médite dans ton lit. Oh, j'adore, il médite dans son lit. Peu bien. Hein? Peut-être parce qu'il y a le... Ah, la petite sculpture, voilà. Médite sur une petite sculpture. Sky, c'est fini. Ok. Alors, j'ai un petit pépin avec ceci. 78. Parce que si j'envoie quelqu'un, je voudrais faire ça. Le marbre. Je voudrais faire le marbre. Maintenant, on n'est pas aux pièces. J'en ai encore un petit peu de marbre de toute façon. But totalement guéri, ça c'est bien ma chérie. Va manger. Pourquoi tu manges pas, Bud? Bud.
qu'est-ce que tu me fous ? Allez, arrête. Arrête, va manger. Des dromadaires. Il y en a combien ? Deux dromadaires. Bon. Ok. Merci. On va les bouffer. Alors, des dromadaires viennent d'arriver. Ils sont ici, ils vont dans l'abattoir. Et ce sont deux femelles qui viennent d'arriver. Très bien. Ça en fait beaucoup, hein. On va les laisser venir. Donc on voit que c'est à 29 et 30, hein. Ok. On va les buter. Bon, c'est mieux qu'un raid de mécanoïdes, hein. Tempête d'éclair, ouais. Ça n'a pas l'air d'être trop chez nous. Ouais, c'est pas chez nous. Bot, t'es un peu bizarre quand même. Pourquoi t'as pas été bouffé ? Il n'y a plus rien à bouffer ? Il y a à bouffer, hein. Ok, là t'es parti manger. On approche de notre premier casque. Alors, ah, j'ai fini, on s'en fout. 48 degrés. Là, j'ai du moins 3. C'est toujours parfait. Ici, on a illumination artistique de Sky. Ça, c'est pas mal. Mettre une EK 1663. On va te faire des trucs. Attends, ma petite. Un ici. Ça, je vais l'enlever. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire ? Allez, Royal. Allez, Royal. Bon, un deuxième lit, mais c'est beaucoup de composants. Ouais, ça pourrait être fait quand même, hein, mais... Plutôt faire un lit Royal, double lit Royal. Un double lit Royal en bois, bien entendu. Et on va le positionner dès qu'on peut. C'est mes cœurs que je voudrais qu'il ait ça. Son artistique. Alors là, ça serait le pied pour faire... Ouais, on va faire comme ça. Ça serait génial, quoi, mais... Ok. Sky, maintenant, tu peux me faire le lit. Royal en bois. Maker qui a besoin de l'artistique pour faire une armure en cataphracte. Tu m'as fait quoi alors ?
Tu m'as fait quoi, mon ami? Excellent. Tu m'as fait un truc excellent. Ce qui fait du 156. Ça veut dire que le 45% du lance-charge ne me laissera encore 110. Ça veut dire qu'il pourra 110. Avec 110 qui me restera, donc il leur faudra 56 points, entre 56 et 100, pour arriver à me mettre 15 points dans le nez de dégâts. Mais il ne pourra jamais plus me mettre 30 points de dégâts. Voilà, ça c'est intéressant. Le problème c'est qu'il peut encore me faire des bons. Mais bon, on verra bien. Donc, Maker... Tu me refais un deuxième cataphracte. J'en ai combien des casques en tout? J'ai 4 casques de reconnaissance et un casque de cataphracte. On va encore faire un casque en plus. Voilà, ça fera 2. Ah, si je pouvais avoir une armure légendaire, je serais heureux. Une armure de cataphracte légendaire, les enfants. Ça serait bien. Mais, ah, donc j'ai mon épée bonne ici. Ah, pas que j'oublie ça. Donc, Tommy, tu as une masse en uranium chef-d'œuvre. Ah, on va comparer la masse en uranium chef-d'œuvre. Dégâts en mêlée par seconde, 13, 88, 46 ici. Donc j'ai 51 sur le contondant. Et j'ai 34 sur le contondant. Avec 2 secondes, 20 par attaque. Et 19,6 là. Celui-ci me fait donc 19,6 en perçant. Donc là, j'ai 29,7 en perçant et 29,7 en perçant en 2 secondes. 13,2 dégâts. C'est beaucoup moins en contondant, effectivement. Mais comme je perce l'armure en perçant de 100%, ils ont 70%. D'armure, les centipèdes, 70% d'armure perçante. Donc je leur en enlève 99%, il en reste moins 20, donc ils n'ont plus aucune armure. Et donc celui-ci, il est bon quand je vais taper en coupe, si je tape en coupant. Et j'ai 2 chances sur 3 de faire du coupant. Donc c'est plus intéressant pour moi de travailler avec ceci. 29,7. Ok, donc... Tommy, puisque c'est toi qui va taper le plus. Attends, hein, on vérifie. 90% de toucher. C'est toi qui va me prendre ça. Tommy, tu te reposes. Après que tu te sois reposé, mon ami. Avant que tu ne te sois reposé, tu vas te prendre l'épée monomoléculaire. Et ensuite, Sky. Ensuite, Sky, qui est occupé de travailler. Oh, on a entendu le bruit de l'épée. Ça, c'est quelque chose. Tu équiperas la masse en uranium au lieu de ton chef-d'œuvre et chef-d'œuvre. Non, j'oublie ça. Combien de temps il reste à faire ça? 460. Ok, on va te libérer, ma chérie. Tu te reposes. Ok, va faire bisous.
avec notre ami. Voilà, c'est excellent ça, c'est parfait, c'est parfait. But, quand est-ce que tu vas te mettre avec... avec qui tu pourrais te mettre, toi, ma chérie? Tu pourrais très bien te mettre avec... oui, avec pas grand monde jusque-là. Avec Dan. Non, Dan, il est pris. Avec Best. Et Maker, il est où, Maker? Avec Maker, tu pourrais te mettre Becker. Bud. Où est-ce qu'il est, Maker? Wait. T'as jamais discuté avec Maker? Eh bien, on dirait que non. Maker. Et Bud. Ah ben, c'est bizarre ça. Vous avez jamais papoté ensemble. Je suis vraiment étonné. Tiens, tiens, c'est bizarre ça. Bon, ben, je suppose que là, on a un inventeur. Je suppose qu'il est pyromane. Allez, on va dire pyromane, limbago, asthme, et puis quoi d'autre? Affreux. Oui. Ah. Ah. Bon, affreux, c'est... C'est pire que l'air, hein, parce que là, il est obligé d'avoir le nez et l'autre truc, là. Le nez et l'autre bidule. Et le modificateur corporel. Par contre, il est pas mal. Au niveau du tir, il est bon. Bon, malheureusement, les gens vont pas t'aimer. Et j'ai pas de place. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire. On va essayer de mettre des gens ensemble. Et toi, Rimen, avec qui tu t'entends bien? Ton amoureux, t'as déjà un amoureux? D'accord. Mais, oui. Tommy, il est pris. Dan, il est avec Sky, avec Allo. Allo et Rimen pourraient aller ensemble. Je voudrais voir Maker, parce que c'est lui que je voudrais bien qu'il soit avec quelqu'un. Maker, tu pourrais être avec qui, toi? Sky et Dan. Libellule, vache, t'es prise aussi, avec Palourde. Avec Palourde. Ce qu'on va faire, avec Palourde. On va mettre le... On va ajouter un lit. Le lit de Maker, il est où? Maker, t'es ici ton lit. On va réinstaller. Ah, ça sert à rien du tout. Est-ce que j'ai des lits? J'ai des lits ici. Lit en métal bon. Lit en métal bon. Lit en bois excellent.
qu'on va mettre notre ami. Palourde et Maker ensemble. On va tester ça. Bon, de toute façon, il va me falloir effectivement du matos en plus. Donc là, on est 17 maintenant, donc il va m'en falloir 18. 17 chapeaux. 15 manteaux. Et c'est bon. Donc on va déjà mettre ça comme ceci. Et on va dire que c'est assigné à au nouveau Twins. Voilà. Ensuite, on va obliger Bud. Viens manger pâte nutritive. Ben, tu me fais d'abord ça, ma belle. Ensuite, oui, assignation. Le Trince, là, il est où celui-là? Ok. Alors, Twins. C'est bizarre ça que je reçoive un mec comme ça. Ça me fait bizarre. Ça me fait tout bizarre de recevoir quelqu'un. Alors. On voit qu'ils font un détour ici à cause de ceci. On va se faire une petite route. Un petit sol. Carrelage, un petit pavement qu'on va faire en ardoise aussi. Et qu'on va mettre ici pour qu'on puisse ouvrir la porte rapidement si le besoin en est. Et je suis occupé de me dire que je me ferais bien également une petite structure qui viendrait ici pour me protéger, ou en tout cas au minimum ici, comme ceci. Tu vois, si on fait ça déjà, ça me permettrait de pouvoir avancer, même s'il y a quelque chose qui peut me tirer dessus là-bas. Ce qui va me permettre de pouvoir venir ouvrir la porte. Mais tout en laissant la possibilité à ce qu'ils viennent me le faire. Donc, le planning Twins, on te copie, on te colle. Alors, j'aurais voulu savoir ici, il faut que je fasse une petite modification dans mes zones de construction. Alors, constructeur, tu peux venir également ici. Ensuite, on a Sky qu'il faudra que je récupère, termine la construction du lit, c'est parfait. Et enfin, on va devoir regarder ce qui fait notre nouveau
Treats, t'es où? Viens taper là-bas au fond. Treats, tu as quoi? Tu as du tir. Donc il me faut une arme, une nouvelle arme. Puisque j'ai pas lourde, je vais également on va se faire quoi comme arme? Ah, j'ai encore un bidule ici, excellent, mais je crois que j'ai des gens qui n'ont pas, qui n'ont plus d'armes. Ça c'est fait. Toi. Chef d'œuvre, oui. Decker. Decker, il te faut ceci, effectivement. On va laisser ça pour l'autre. Libellule, tu as ton ce qu'il faut. Toi. Dan, tu n'as pas d'armes non plus. Par contre, tu as un bon mêlée aussi, toi. Hein. Maintenant, est-ce que... Mon body blocking, il va rester comme ça. Maintenant, je pourrais faire une deuxième bande de body blocking, s'il faut. Mais il va me falloir plus d'armure. Il va me falloir 6 armures en tout. À ce moment-là, on aurait qui? On aurait lui. On pourrait... Allô? Non, pas allô. Dan, je crois. Montre-moi un peu qui est-ce qui était bon encore. On a Best qui peut faire du... de la mêlée, Best. Palourde peut faire de la mêlée. Best, pas lourde et Anarchiste n'était pas mal non plus. Et Dan. On en a encore 4 là. Donc on pourrait se faire 2 bandes. Donc il me faudrait 18 personnes en tout. 19 personnes puisque le chauve ne peut pas tirer. Donc il me manque encore 2 personnes pour faire une deuxième bande de body blocking. Ok. Bon, les flingues, on va patienter un petit peu. On va faire ça comment? On va rajouter un gilet pare-balles. Ça va. Il va me falloir encore un casque en plus. Et je vais avoir... tu as quoi au fait comme problème de santé, toi? Ta jambe droite te pète à 96. Et donc ça diminue ta mêlée, effectivement. Mais tu as un double-double, toi, dans tir. Donc tu dois plutôt tirer. Donc c'est pas trop important ta jambe pour l'instant. Et tu n'as pas de douleur, donc on va un petit peu t'oublier. À ce niveau-là. Par contre, j'ai besoin donc d'une arme en plus. Ah, mais j'ai encore ça aussi. Et là, le minigun ne peut pas venir là. Il doit venir ici dans le minigun. Stockage. Dans ma distance, je veux le minigun. Alors, je veux le minigun, mais je ne veux pas de pilum. Fusil automatique. Fusil à pompe, ok. Balle incendiaire, oui. Et donc ici, je dois le supprimer. Le minigun. Pas de minigun. Pas de mitrailleur lourd. Et pas de grenade. Voilà, c'est comme ça le minigun va repartir là. Je ne l'ai pas mis parce qu'il donne 0.2. Si on regarde où est-il maintenant, il est déjà parti quelque part ici. Je ne le vois plus. Où est mon minigun?
Eh ben, je vois plus mon minigun. Toi, t'as un revolver, hein? Animaux, tu as rendement avec les animaux 80%. Ok. Tu viens ici, mon garçon, et tu viens ici.